Moun ki te wè émission avant sous droit reproduction mécanique connaît très bien que c'est un droit nan droit d'auteur, c'est un droit patrimonial nan droit d'auteur avec droit voisin qui permet créateur yo, artiste interprète yo ak producteur yo contrôler reproduction physique ou bien numérique qui fait nan création yo avec présentation yo. Et mais jodi an al gade comment yo collecter l'argent ça, qui côté l'argent ça sorti pour le vin joine artiste producteur créateur. Bonjour tout le monde, non pas c'est Bello, c'est toujours un plaisir pour me partager des petits mots avec nous sur un sujet qui est important. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de droit d'auteur, mais on a parlé de droit de reproduction mécanique et surtout comment vous collectez l'argent ça. Collection droit voisin pour artiste interprète, vous gérez d'après un bas juridique et modalité technique qui différent suivant. Gen la dan yon licence légale ou bien yon droit exclusif ou bien encore droit qui collecté à l'étranger. Collection droit nan cadre licence légale yo nan catégorie ça gen rémunération pour copie privée ak rémunération équitable. Rémunération pour copie privée bay droit à rémunération pour copie privée, ça veut dire li couvri matériel qui permet moun copier ou seman reprodui yon zèv audiovisuel ou soit sonore ou bien yon zèv nan domaine visuel ak écrit pour service privé seulement. Moun kap fabrike ou soit importe matériel yo côté doit sa appliquer, yo doit payer yon rémunération pour ça. Selon sa cadre propriété intellectuelle là li prévoit. Gagne 7 organismes de gestion collective qui en dans sa relé copie France là qui divisé en 3 collèges. Gagne un collège auteur qui gagne la donne SACD CAM, Société Civile des Auteurs Multimédia, et ça c'est dénoté où elle, c'est Société d'Auteurs Compositeurs Dramatiques, et avec SDRM, qui c'est Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique. Il y a un collège artiste-interprète qui est là-dedans, Adami et puis Spedidam, on compte ça très bien. Et puis, collège producteur qui est là-dedans, Société Civile des Producteurs de Cinéma et de Télévision, avec SCPA, qui c'est Société Civile des Producteurs Associés, ensemble avec organismes qui collectent copies privées, rémunération copies privées dans affaires et critiques, pour SOFIA, Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit, SCAM, qui c'est Société Civile des Auteurs Multimédia, gain tout SCF, qui c'est Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie, gain SEA, MGZ, Société des éditeurs et auteurs de musique avec rémunération copie privée dans le domaine visuel. Donc, dans le domaine visuel, il y a AVA, il y a Sourimage avec CFC, c'est ensemble de SAO qui a géré. Maintenant, qui gère l'argent qui soutient dans la copie privée? Comment bah ça dans la copie privée sonore? Qui gère le partage? Eh bien, auteur yo gen 50%, interprète yo gen 25%, producteur yo gen 25%. Maintenant, dans rémunération copie privée audiovisuel là, partie revenu qui pour artiste interprète yo le partager comme ça, 80% pour Adami et puis 20% pour Spedidam. Maintenant, nous t'ai parlé de rémunération pour copie privée et puis rémunération équitable. Qui sa rémunération équitable là? En fait, spray collecter rémunération équitable directement dans les diffuseurs audiovisuels, donc télévision, ak chaîne radio, qui servit à phonogramme commercial, à vidéo musique, pour sonoriser programme, dans discothèque, dans restaurant, dans bar, côté qui gagne ambiance musicale, côté
phonogramme yo, même dit phonogramme, faut entendre pas phonogramme que ce soit CD, cassette, MP3 et cetera, servi principalement phonogramme avec vidéogramme yo, yo exploité principalement dans but pour attirer public là. Bon bien expliquer ba ça. Chaque fois ou gon espace commercial qui même si son bar, même si son boutique, même si son restaurant, même si son hôtel qu'on utilise musique là-dedans dans but pour attirer un public, un bien ou payer l'argent ça que vous collectez pour artiste, producteur, etc. Alors, contrairement avec collection rémunération équitable dans l'autre côté qui sonorisé et yo, eh bien dans mes organisateurs manifestation occasionnelle yo, c'est un sous-traitement qui fait à travers un contrat, un mandat que yo bail la SACEM. Donc rémunération équitable yo partagé dans mes deux collèges qui gagnent droit yo. Donc organisation producteur qui choisit centraliser collection ça dans une société unique côté ou partager l'argent comme ça 25% pour Adami 25% pour Spedidam et puis 50% pour SCPA qui c'est Société Civile des Producteurs Associés. Donc en pile information mais qui pour moi-même important. Bon, épisode ça pas obligé pas nécessairement intéresser tout le monde même quoi que si vraiment droit d'auteur son sujet qui intéresse ou pour tout bon ou gain intérêt comprendre comment bagala fonctionne comprendre qui quantité institution qui derrière chaque petit doigt chaque gestion et comprendre surtout présence auteur compositeur donc acteur concerné vraiment concerné c'est acteur dans ça et comprendre tout que tout ça on a parlé là c'est le plus souvent c'est société civile c'est pas l'État qui orchestre ça. Moi espérer que vous apprenez un bagage en plus dans vidéo ça ben si vous appréciez ou connait tout ça pour faire déjà remen partager commenter abonner à chaîne YouTube Bello Haïtia pour pas rater un prochain épisode n'a pas bientôt dans l'autre vidéo sous même sujet non pas c'est Bello et c'est toujours mon plaisir pour me partager des témoignages sur un sujet qui est important.